Alors, on va essayer de voir l'état de Dofus en 2024. Ça fait un moment que j'ai pas joué à ce jeu, et puis j'ai jamais été un joueur permanent, disons que je jouais de temps en temps quand je m'ennuyais. Alors là, on a notre personnage, un SRAM de niveau 77, gratuit sur Dofus, la version 2.7.5.6. Alors bon, je suis à la banque parce que moi, comment je joue à Dofus, j'étais pas vraiment focalisé ni exploration ni trop combat, c'était vraiment du farming et de l'achat et de la vente de ressources. C'est comme ça que j'apprécie le jeu. Bon, il y a eu beaucoup de mises à jour, comme toujours sur Dofus. Donc j'ai toujours mon agilité à 508. Bon, ça c'est ma panoplie. J'ai essayé de prendre une panoplière, Amumu LED, Blopano Coco, la Nostro Plante. La Karakoff pour un PA, une petite cape du tofu, etc. etc. Bon, donc j'ai 200 000 kamas. Voilà, en fait, tout ce que je fais, c'est gagner des kamas dans le jeu. On va voir les sorts. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessous? Ah ouais, bon, ça a été déplacé, je sais pas pourquoi. Attends, quoi? Ah, bah déjà, les icônes sont revenues. Quand je jouais en août ou en septembre 2023, il y avait un problème, c'est que les icônes de mes sorts avaient disparu. Donc j'avais juste des carrés noirs comme ça avec la description des sorts qui apparaissaient. C'était hyper chiant de jouer comme ça. Bon, c'est revenu. Je connais pas ça. C'est un nouveau sort? Arnaque? Vol de l'agilité? Ouais. Piège répulsif, d'accord. Attends, mais là j'avais. Comment il s'appelait ce... Attends. Le piège R. Le piège qui fait une glyphe. Comment il s'appelle? C'est arsenic? Attends, c'est arsenic maintenant? C'était pas poison... Poison je sais pas quoi? Ils ont changé les noms? Ils ont changé les places des sorts aussi. Extorsion, ça me dit rien. Depuis quand c'est là, ça? Fourberie. Vol de... Quoi? Attends. Oh! D'où fourvoiement il est ici? Je m'en servais pas énormément, mais merde. Ils l'ont bougé de 10 niveaux. D'accord. Et mon piège... Putain, c'est ça. Putain, c'est lui. C'est piège insidieux, hein. Pose un piège qui applique un poison R au début de tour sur les ennemis, leur occasionne des dommages à R et à tir. Non, c'est pas vraiment ça, mais... Attends, mais ils ont changé et le niveau, et les dégâts, et tout ce qui fait le sort, en fait. Non mais putain les gars, c'était un sort de niveau quoi? 17? Ils l'ont passé en 175? Vous avez pété un câble. Toxine? Ah mais il s'est barré, ok. D'accord. Bah SRAM R c'est mort. Merci Ankama. Donc je me fais chier à acheter une panoplie à mon niveau qui augmente mes stats R. Pour au final quand je reviens après 18 mises à jour. Le SRAMR n'existe plus. Non mais c'est bien. C'est bien. Là, ce que je vais faire, je vais ranger par couleur, tiens. Voilà, ça c'est amusant, ça. Ça c'est fun. Ça, les gens ont envie de le voir. Ça, c'est vendeur, c'est génial. Voilà, hop. C'est magnifique, voilà, c'est tout joli. Donc j'ai plus que 3 sorts R. Pourquoi pas? Donc arsenic. Rang 2, portée 1-8, c'est en ligne. Pas de ligne de vue, ouais, c'est le poison qui frappe en 2 tours. Bon, ouais, je m'en servais un peu, mais c'était surtout le putain de piège qui faisait des dégâts. Bon. Piège répulsif, ouais, bon, ça faisait pas de dégâts, juste ça poussait, bon. Et arnaque, qui remplace bah, mes deux autres sorts, hein, qui étaient piège insidieux et fourvement. Maintenant, j'ai arnaque. Moi, bon, ça se trouve, c'est bien, hein, on va lire. Donc, ça coûte 3 PA. Portée 1-6, critique 20, on s'en fout. Limitation par tour par cible 2, cumul des effets 2, utilisation par tour 3. Bon, vol de l'agilité. Et ça fait des dégâts. Vol 40 d'agilité, ça fait 20 de dégâts. C'est nul. Ah, oh, c'est nul. Mais c'est nul à chier en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait avec Dofus là? C'est ça? C'est ça Dofus maintenant? On va juste prendre. Des sorts et on va te les changer tous les ans.
D'accord. Sinon, avant ça, je dois jouer SRAM Feu grâce à un sort qui n'est plus là non plus. Piège à fragmentation, 180, ok. Donc en fait, les deux sorts que j'utilisais le plus avant, quand je jouais SRAM Feu ou SRAM Air évidemment, ils les ont foutus 100 niveaux après. D'accord. Bah, je trouvais qu'ils étaient pétés ces sorts, bah, c'est pour ça que je les utilisais, forcément. Je vais pas utiliser le sort le plus pourri du jeu et jouer comme ça. Non, non, je vais prendre un peu les meilleurs et je vais essayer de m'améliorer pour que ça marche. Bon, ben, les deux sorts que j'utilisais ont disparu. Est-ce qu'ils ont été nerfs sinon? Lui, il a changé complètement. Piège insidieux, ça n'a plus rien à voir. Fragmentation, ça a l'air d'être le même.